Bonjour, bienvenue pour cette 14e étape du Tour de France 2013. Je suis directeur sportif de l'équipe Europcar. Aujourd'hui, on arrive à Lyon sur une étape vallonnée qui va convenir théoriquement aux puncher bounder. Théoriquement, parce que est-ce que les équipes de sprinteurs peuvent espérer gagner? Ça va être quand même difficile, hein. Je pense que les sprinteurs vont mal digérer les bosses puisque c'est une arrivée en côte. Ça sera un peu difficile. Alors, est-ce que les favoris vont se livrer bagarre? Je crois pas non plus. À moins qu'il y ait du vent. Qu'il y ait du vent et qu'il y ait une équipe qui tente quelque chose. Mais honnêtement, je pense pas. Avec le Mont Ventoux qui arrive demain, je pense pas. Ce sera plus une étape pour une échappée. Donc, nous, dans l'équipe, on a des joueurs qui sont capables de se glisser dans les échappées. On pense à Cyril Gauthier, Thomas Vauclair. Mais Thomas Vauclair qui est bien placé au classement. Mais pourquoi pas? Thomas Vauclair qui peut tenter quelque chose, hein, qui a 10 minutes, il me semble, Thomas Vauclair. Alors pourquoi pas, on va voir ce qu'on va faire. On va envoyer quelqu'un dans l'échappée. Cyril Gauthier, David et Malacarne, Thomas Vauclair ont carte blanche. Pierre Roland, lui, va rester au chaud dans le peloton pour se préserver pour demain, parce que demain, il est classé au général, Pierre Roland, hein, qui est 5e, et Calmayou-Apou en jeu. Donc demain, il faudra bien arriver au Mont Ventoux, parce que les arrivées au sommet, les points du grimpeur sont doublés. Et demain, Mont Ventoux, il y a des sacrés points à prendre, puis surtout, il y a le classement à faire. Donc aujourd'hui, on va miser sur Cyril Gauthier, David et Malacarne et Thomas Vauclair, si on peut tenter quelque chose. Est-ce qu'ils vont laisser partir Thomas Vauclair? C'est difficile à dire. En tout cas, il y a un coup à jouer pour notre équipe. Donc on se retrouve après la course pour le débriefing. Monsieur, bonjour. Déjà traversée par le peloton en 2008, la cité bourbonnaise de Saint-Pourçain-sur-Sioule aura cette fois l'honneur d'être la ville départ de la 14e étape. Elle conduira ensuite les coureurs vers Lyon. Après une première partie d'étape vallonnée, se présenteront deux difficultés. La côte de Bourtizy, suivie du col du Pilon. Et dans Lyon même, il y aura encore au programme la côte de la Croix-Rousse et celle de la Duchère qui risquent de mettre à mal les purs sprinteurs. En effet, les punchers pourraient bien contrarier les plans des purs sprinteurs dans ce final musclé. On peut d'ailleurs se poser une question. Est-ce que les équipes de sprinteurs mettront tout en œuvre pour revenir sur une éventuelle échappée de la première heure? Les baroudeurs doivent profiter de cette occasion. Un coureur tente sa chance en solitaire! L'écart est maintenant de plus d'une minute. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Le peloton réduit l'écart. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir.
Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Victoire en solitaire de Jean-Christophe Perrault. Belle victoire de Jean-Christophe Perrault. Donc, comme prévu, l'échappée est allée au bout. C'était à prévoir, l'échappée qui va au bout. Malheureusement, Cyril Gauthier était un peu trop juste. Cyril Gauthier est fatigué de l'échappée qu'il avait déjà fait hier. Bah, c'est dommage, hein. On aurait pu viser, mais Jean-Christophe Perrault était vraiment au-dessus. Cyril Gauthier qui finit 5e à 1 minute 54, le peloton derrière. Pierre Rolland qui finit 13e. On a deux coureurs du Team Europe Car dans les 20. Thomas Vauclair qui finit 35e. On n'a pas perdu de temps, les leaders n'ont pas perdu de temps. C'était une journée tranquille, donc il n'y a pas eu trop de difficultés avant l'étape du Mont Ventoux. On se retrouve demain pour la 15e étape du Tour de France qui arrivera au Mont Ventoux.